l'actualité, cher Pierre Jovanovic. Vous avez, dans votre revue de presse, évoqué le fait qu'on ait pu apercevoir sur ces VAB, ces véhicules blindés légers à Paris, des drapeaux de l'Union européenne. Pourquoi pas un drapeau français sur ces véhicules? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah écoutez, j'étais très surpris. J'ai fait un reportage de sang. Enfin, là, vraiment, j'ai passé la journée sur le terrain et je suis tombé nez à nez avec ces camions. Oui, c'est des camions à l'avant, les VAB, hein, les véhicules à avant blindés, ouais. Et avec le drapeau européen. Et alors, la préfecture de police s'est vantée. C'est Marianne, c'est nos collègues de Marianne qui l'ont sorti. La préfecture de police s'est vantée d'avoir une arme secrète. Ah. Ça, moi j'ai beaucoup aimé, on dirait un James Bond, c'est l'arme secrète, vous voyez, c'est le truc avec le tic-tac. L'arme secrète pour empêcher les gilets jaunes d'accéder à l'Elysée, c'est-à-dire qu'ils étaient persuadés qu'une masse… – Qu'ils allaient encercler l'Elysée, ouais. Macron était terrorisé, voilà, donc il y avait une arme secrète. – Réfugié dans son bunker. Voilà. Et donc j'ai fait un papier, et là-dessus, un de nos lecteurs gendarmes, parce qu'ils sont très nombreux à suivre la revue de presse, m'a envoyé un mail, alors je pense que vous l'avez vu. Alors il dit, voilà, parce que moi j'avais titré le papier « Scandale absolu, Macron et Castaner ont voulu gazer les Français sur les Champs-Élysées avec un gaz handicapant ». Voilà. – Alors on va vous traiter de complotisme là, Pierre, vous n'allez pas y échapper. – Bon, c'est déjà fait, hein. N'oubliez pas, je suis le pape d'un des complotistes. Hein. According to the Le Monde. Hein, voilà. Alors notre lecteur nous dit « Je vous apporte quelques précisions sur ce gaz pulvérisable. Il s'agit de CS, chlorobenzylidène malonitril, sous forme de poudre, donc paillette, à l'état pur. On utilise cette poudre à différentes concentrations pour effectuer des épandages afin de simuler des attaques chimiques lors des exercices militaires. » Effectivement, j'ai vécu ça. Hein, ce qu'on faisait à l'armée, on faisait des exercices, ce qu'on appelait NBC. Hein, je peux dire que ça craint. « Le masque est obligatoire pour ne pas en subir les effets qui, à forte dose, non diluée donc, sont des hémorragies internes, des œdèmes pulmonaires, détresse respiratoire grave, fatale pour les plus fragiles, je ne vous parle même pas des asthmatiques, vomissements incoercibles. La difficulté de son utilisation, nous dit notre lecteur, donc gendarme, tient au simple sens du vent et à la persistance du produit sur le sol. Pour faire simple, le vent doit souffler dans la direction des manifestants. » Donc déjà, c'est assez drôle. Pour peu que ça souffle vers l'Elysée, ça serait… – Mais c'est vieux, ces expériences sur des populations comme ça, de pulvérisation en plein air, Vous posez la question, vous devancez la question. En fait, notre lecteur nous dit, l'armée britannique l'utilisait en Irlande, donc les grandes manifs, la guerre en Irlande du Nord, avec des grenades à 12 grammes et 50 grammes de CS, avant d'en interdire l'utilisation contre des civils. Et voilà ce que la préfecture de police et la gendarmerie ont décidé d'utiliser pour sauver Macron et sa bande de danseuses à l'Elysée. Non mais tu y crois pas quoi. – Je crois que les habitants de Pont-Saint-Esprit aussi, je sais pas si vous connaissez l'histoire Pierre de… – Oui mais là c'est autre chose, voilà. Là c'est vraiment autre chose. – C'est une pulvérisation comme ça en plein air, voilà, d'une armée. – Je pense qu'ils ont fait le test, mais là ils étaient prêts à le faire. Ouais. Pierre, attends… Ouais.